Aujourd'hui, le chef Juanard Bélez va préparer une recette à base de pluma ibérique. Pour agrémenter cette viande de porc très savoureuse, le chef va lui donner des accents asiatiques avec une sauce teriyaki. Et il va accompagner le tout de champignons et de gambas pour un accord terre-mer. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Donc voilà, on regarde, on prend des notes, ou pas. Chez Philippe, il n'est pas amateur. Donc aujourd'hui, on va travailler une pluma de cochon ibérique. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ? Non. Déjà, le cochon ibérique, c'est les cochons qui sont élevés sur la péninsule ibérique, donc dans l'Espagne. C'est des cochons qui sont nourris avec du gland, qui ont ce goût noisette très particulier. C'est le fameux jambon de bellota qu'on connaît. Et en fait, ça, c'est une partie dans le dos qui est très réputée parce que c'est très gras, en fait. Et c'est très, très fondant. Ça se mange saignant rosé, entre saignant et rosé. Il faut que ça soit vraiment pas trop cuit. Vous allez voir, c'est vraiment un peu déception. On va travailler un caramel qu'on va déglacer avec soja, xérès, mirin. On va rajouter un petit peu de bouillon de poule pour donner du goût, quelques tomates, un peu de tamarin. C'est un produit que j'adore, on travaille beaucoup chez moi. Quand on est gamin, on a les sucettes au tamarin, c'est un souvenir d'école. Et on va travailler des garnitures, quelques shiitakes, un peu de champignons de Paris, des petits oignons grillés, et on va faire des tuiles avec des feuilles de riz, juste un peu frites pour le côté croustillant. On va en plus faire un super accord, c'est que la base de la teriyaki est faite avec des crevettes. Donc on fait un accord terre et mer avec la pluma. On suit tout ? Nadine, ça vous plaît ou pas ? Ça l'a pas mal, non ? Oui, oui. Hein ? Il va falloir suivre, là. Il parle bien, ce chef. Il va falloir suivre. Alors, la recette, oui, c'est beaucoup de nouveautés. Déjà, de travailler avec un chef, et deuxièmement, de ne pas connaître le pluma, de ne pas connaître la mirine, d'avoir le stress de l'émission. Quoi. Le chef Juanard Bélez fait chauffer une sauteuse pour la cuisson de la pluma. On va assaisonner avec du sel fin nos plumas. Des deux côtés. On va pas rajouter de matière grasse parce que c'est déjà la viande est suffisamment grasse. Très très gras, ouais. On va vraiment juste saisir en extérieur, colorer. Super crevette. Pendant ce temps, le chef prépare des gambas pour les accords terre-mer de sa recette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va récupérer tête et on va décortiquer. Ok. Ça, on va bien ouvrir l'intérieur pour récupérer, en fait, c'est là où il y a tout le goût. C'est ça le goût de la gambasse. Donc on ouvre bien la tête. Voilà, là on arrive à quelque chose qui est intéressant. C'est ça qu'on cherche. Vous voyez, ça c'est le gras qui est grillé. Donc on va débarrasser nos plumas. Une super coloration. Et on va colorer nos têtes et nos carcasses de gambas. On va rajouter un petit fond de cassonade. Combien à peu près, là ? C'est une cuillère à soupe, ouais. Une bonne cuillère à soupe. Là, vous voyez, il y a cette fumée. C'est une fumée du sucre qui commence à cuire. Est-ce qu'on attend que ça caramélise un petit peu ? Il faut légèrement caraméliser, ouais. Légèrement caraméliser. Quand ça prend cette couleur un peu dorée, on va déglacer avec le mirin. Soja, on va aller légèrement, on rajoutera à la fin s'il en faut, c'est très salé. Vinaigre de xérès, faut que ça soit quand même assez acide. Voilà, assaisonner selon votre goût surtout. C'est là où vous allez vous départager. Là, on va laisser réduire, on va décuire le sucre. Pendant que les carcasses de gambas caramélisent, Juanard Bélez détaille quelques tomates pour sa sauce façon teriyaki. C'est juste pour apporter un peu de matière à notre sauce. Voilà, il faut quelque chose qui soit assez sirupeux, quelque chose de caramélisé. Là, on va venir rajouter nos tomates. On va rajouter notre bouillon de poule. Ça commence très bien. Ça sent bon. Le tamarin. Une gousse d'ail. Ça goûte quoi, le tamarin ? Je connais pas. Tamarindo. J'en vois dans les magasins, mais j'ai jamais goûté. Ouais. Souvent des petits bonbons. Avec ça, c'est un rosé. Ouais. Merci. Ouais, c'est vachement sucré. La gousse d'ail, écrasée.
Et là, le tamarin va fondre, tout va se compoter tranquillement. Les choses se compliquent pour nos deux candidats. Le chef décide de tailler des tagliatelles de carottes à la mandoline. On le met au minimum. On va pas laisser les doigts. Ouais, c'est plus difficile, ça. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, donc n'essayez d'aller jusqu'au bout. Ouais. N'essayez pas. On va les récupérer, on va les mettre dans un bol. Par exemple, si vous reste un petit peu de carotte, vous pouvez la rajouter. Ça va nous rajouter un petit peu de matière. Vous voyez, quand ça, on apporte à ébullition. Une fois que c'est apporté à ébullition, on va baisser à 5 le feu. Tamarin, c'est un peu comme le sucre. Vous le mettez dans l'eau, il va diffuser, il va se... Il y a des petits morceaux quand même dans le tamarin. Il va lâcher tout seul. Oui, c'est les pépins. D'accord. En fait, ça, c'est du tamarin qui est mixé. Une peau aussi. Et après, pressé, ouais. En attendant, on va se faire des petites tomates qu'on va concasser. Donc, tomates confites. Et qu'on va mettre dernière minute, en fait, dans notre sauce. Juan Arbelez ne perd pas une minute. Il lance simultanément la sauce et la garniture de sa recette. Donc ça, c'est fait. Notre petite carotte, on va juste mariner dans un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Le chef multiplie les étapes. Il lance maintenant des chips de menthe et de coriandre. On va prendre une assiette qu'on va filmer. On va faire une petite... Ça, c'est de l'huile de sésame. Juste un filet d'huile de sésame. Ce qui est intéressant, en fait, de le faire sur un film, c'est que la feuille reste bien, bien droite. Vous allez voir, pour le dressage, c'est assez beau. Un petit peu de menthe et un petit peu de coriandre. Jusqu'ici, tout va bien ? Ça va. Bon, Philippe, je vous pose plus la question. Hein. Il note rien. Mais... je fais attention. Il est jeune, il a encore de la mémoire. Oui, voilà. Ouais. C'est dans quelques années. C'est une technique voilà, que j'ai personnellement. Je préfère pas prendre de notes pour pas perdre de temps et puis être vraiment concentré à 100% sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ses gestes, pour pouvoir le reproduire à l'identique et pas du tout perdre de temps à lire les notes. L'huile de sésame, c'est très puissant, donc ne mettez pas que de l'huile de sésame. Il faut mettre quand même un petit peu d'huile d'olive. Que l'herbe soit bien recouverte. On va faire des petits trous, en fait. Pour une fois que ça soit frit, l'excédent d'huile, en fait, coule en dessous. On va recouvrir de papier film. Essayez que le film soit bien en contact avec les herbes. Les chips vont sécher au micro-ondes dans 60 secondes. Pendant ce temps, Juan Arbelez enfourne la pluma pour 6 minutes à 70 degrés. À 70 degrés. Il a à peine le temps de trancher des quartiers d'oignons que le micro-ondes le rappelle à l'ordre. On va faire... Une fois que vos herbes sont finies, vous enlevez... La première. Juste la dernière couche que vous avez mise. Et, très important, on sale, il faut que ça reste bien croustillant. Le secret de cette recette est de tout mener de front sans perdre une seconde. Juan Arbelez fait brunir les oignons pour sa garniture de shiitake. On va tailler au ras de la queue. On aura besoin de 3 ou 4, ça suffira largement. Et on va les mettre côté chapeau vers le bas. Et on va les faire griller gentiment. Champignons de Paris qu'on va éplucher. Tout ça, on récupère et en fait, on va le mettre dans la sauce. D'accord. Même les éplucher, lui. Ah ouais, c'est très bon. Champignons de Paris, c'est pareil. Tout le goût est concentré sur la peau, en fait. Exactement. Comme les fruits et les légumes. Et on rajoute un autre sauce qui continue à réduire gentiment. On va faire des plus gros shiitake qu'on va tailler pour finir la sauce. Juste émincer. Il y a vraiment une petite quantité, c'est vraiment pour... Finir notre sauce et avoir un peu de texture dedans. Et on va se faire un petit truc super sympa. Ah, le petit piment. Le piment. Donc, moi, j'aime bien émincer très fin. Faut goûter qu'il soit pas trop... Il en voit quand même. Donc, on n'en mettra pas beaucoup. Il est quand même violent. On va mettre un tout petit peu dans la sauce. À relever.
Voilà, c'est ça la coloration qu'on cherche. Pas translucide. Couleur à la brésilienne, quoi. Un peu bronzé. Rio de Janeiro, Copacabana. Voilà, vous voyez, la shiitake est pareil. Le shiitake est bien grillé. Et là, on va baisser la température et on va le laisser à 2-3 tout gentiment. Le temps de s'occuper de notre sauce aux carcasses de gambas. Une louche, peut-être? Ouais, on va presser un petit peu. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer cette purée qui va venir lier notre sauce. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va redisposer notre sauce dans le sautoir. On va réduire au point qu'on veut. On va venir chercher nos plumas. 70, c'est un petit peu chaud. Faites attention, moi, je sens plus rien aux mains. Immunisé. Mais faites un petit peu attention. Pas le temps de s'attarder sur la viande. Il faut s'occuper des gambas. On va assaisonner avec un petit peu de sel nos crevettes et un petit peu de soja. Pas que, c'est vraiment une goutte, en fait. Là, on va venir débarrasser nos oignons et nos shiitake. Le chef enchaîne encore avec des galettes de riz qu'il fait frire pour apporter du croustillant à son plat. Et là, magique. The summer is magic. C'est vraiment 2 secondes. Ouais, c'est, ça va très vite. Et là, on a en fait quelque chose, vous voyez, très sympa. Ça va nous aider à donner du volume. Ça, c'est original. Un peu de sel sur les galettes et hop, on lance les gambas. Là, c'est vraiment aller-retour. Je veux pas que ça soit cuit. Une gambas, surtout de cette qualité et de cette taille-là, elle se mange vraiment bleu chaud. Ouais. Il faut qu'elle soit saisie. Retournée. C'est comme ça que je les aime aussi. Hein. Et débarrassée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un petit peu les sucs de nos oignons, de nos gambas, de nos shiitake. Ça, c'est vraiment important. Il faut que le goût, on le retrouve. C'est là où je pense qu'il va avoir la difficulté. C'est qu'il faut que la sauce soit vraiment excellente, qu'il soit liée. Voilà, là, on est parfait. Je baisse température. Je vais juste venir rouler mes plumas. Vous voyez comme elles brillent, là? Magnifique. Oh, very nice, hein? Oh là là. Il y a un accent indien, hindou, du sud, basque. C'est marrant ce gros mélange. Hein. Puis ce sont les champignons, les oignons et les gambas qui prennent un petit bain de sauce. Pensez à arroser les viandes. Ça, c'est le secret de toute recette. Magnifique la sauce. Voilà. On va essayer de faire pareil. Hein. Je vais rajouter juste un petit peu de coriandre et menthe ciselée. Donc on passe une seule fois sur l'herbe. On met dans notre sauce, ça va apporter de la fraîcheur. On le laisse ça bien au chaud. Les petits shiitake juste accrus qui vont nous apporter de la texture, de la mâche. Il est temps de dresser tous ces éléments. Le chef prépare une œuvre d'art qu'il démarre avec de la confiture de cassis au vinaigre. Donc là, c'est le visuel et je cherche à rehausser un petit peu le côté acide et le côté fruité. On cherche vraiment quelque chose de rose, entre rosé et saignant. C'est ça qu'on cherche. N'hésitez pas à mettre un peu de gras, notre petite crevette. Vous voyez la cuisson de la crevette? Elle est parfaite. Il faut vraiment qu'elle soit nacrée. C'est ça qu'on cherche, c'est vraiment la nacre. Donc nos pétales d'oignons grillés. On finit notre sauce donc avec une petite cuillère de tomates confites.
N'hésitez pas à accélérer au début. Comme ça, vous aurez le temps de dresser votre assiette. Tel un artiste avec sa palette, le chef compose son tableau. Les chips de menthe et de coriandre, les petits morceaux de piment. Nos carottes marinées qui vont apporter de la texture. Et de la couleur. La couleur et de l'acidité. Quelques lamelles de champignons de Paris, des chips de riz et le tour est joué. C'est plus un plat, c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est... Magnifique. Monsieur, dame. Ouais. Wow. Bon appétit. On peut manger, là. Très bien. Ouais. Il fallait finir en beauté. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est effectivement le temps. Beaucoup de choses à faire, peu de temps, donc pas de temps à perdre sur rien. Bon, bien si vous êtes prêts, allons-y.